Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau stream dans lequel on va jouer à la tour robot. Alors, on va y jouer, mais on va d'abord fermer ça. Et on va d'abord faire un truc qui s'appelle pas la capture card, capture de fenêtre par contre. Ah bah voilà. Alors ça va être chaud par contre parce que bon. Eh oui, t'as vu, la musique était cool, hein. Ah, je vais augmenter un tout petit peu la taille. Attends. Peu, j'ai dit. Bon. Voilà, bon, vous voyez au moins l'écran. Par contre, je. Ouais, voilà, ça met Melon DS. Donc, bam! Voilà, normalement, ça devrait être bon. File, machin. On va lancer tout de suite le jeu! Ah oui, vous avez des belles bandes noires dégueulasses. Attendez, voilà. Je rétrécis la fenêtre de mon ému. Alors, voilà. Désolé, mais bon, on va pas se taper l'intro à chaque fois. On l'a déjà vu la dernière fois en plus. Du coup. Ah, mais vous avez des bandes noires sur les côtés aussi. Putain, mais c'est pas chiant, quoi. Alors. Voilà, j'augmentais juste le son du jeu histoire qu'on entende. Je crois faire commencer à jouer. Bon, je suis désolée, mais le setup est fait vraiment à l'arrache. Hein. Je mets même le background de stream que je mets d'habitude. Fond jeu, voilà. Je mets ce background, voilà, parce que bon. Bref, on va faire continuer le jeu. Ouais, on va se continuer. Du coup, ouais, j'ai configuré différemment, genre à l'horizontale, du coup, pour que ce soit plus simple. Effectivement, c'est vachement mieux, hein, de jouer comme ça. Genre les deux écrans là à côté de l'autre, comme ça. Du coup, on doit faire quoi déjà? Je sais même plus. Je sais plus ce qu'on avait fait la dernière fois. Attends, on va parler au PNJ parce que je m'ennuie. Sinon, la ville de Louchandon. Ok. On fait quoi? Ouais, attends, d'accord, parce que je sais même plus où est-ce qu'on en était là. Je sais même plus ce qu'on faisait là. Ouais, le jeu il bug, je sais. Ah, bonjour. Parfait. Hop, voilà, comme ça j'ai le chat. Bon, du coup. Je sais plus ce qu'on devait faire. Attends, mais on t'entend pas sur le stream, mince. Oh, j'avais pas pensé à ça, je suis bête. Voilà, c'est bon, là on t'entend. Voilà, parfait. Ouais, là c'est bon. Attends, parle. Ah non, on t'entend pas, pardon. Voilà, là on t'entend. J'allais faire le 1-2-1-2. Non, non, c'est bon. Je m'étais juste trompée. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois et je dois faire quoi? Je vais te l'expliquer en gros. Essaye d'aller dans le menu d'abord. Ouais, bah ouais, le menu. Et va dans Mémo. À chaque fois, ça t'explique ce que tu dois faire. Il faut qu'on ouvre l'écluse pour atteindre le temple en passant. Ok. C'est pratique en vrai. Mais du coup, c'est où déjà qu'on doit aller? L'écluse, c'est bah juste devant toi. Tu dois avancer. Ah ouais, pas faux. Un peu bête sur les bords. Hein. Faut encore avancer. Encore avance. Voilà la gondole. Je dois descendre du deck pour monter dans la gondole. Bah écoute, merde. Et en passant par là, tu Du coup, pour descendre, c'est Y.
Ouais, non mais oui. La gondole, c'est le petit bateau qui est à côté, si t'as pas vu. Ah oui, le bateau. Bon, t'es dans le bateau. Écoute. Voilà la... Putain, j'arrive pas à parler. Voilà le garde de l'écluse, Monsieur Red. Ok, bah, on va lui parler. Bonjour, salut, vous m'avez l'air sympathique, l'ami. Ah, et si tu me disais ce que tu veux? Je me demandais si vous voudriez bien nous ouvrir l'écluse. Et pourquoi je ferais ça? J'ai fait tomber mon pendentif dans l'eau. C'est tout ce qu'il me reste de ma maman. Quel mauvais comédien. Je vous en supplie, monsieur, ouvrez l'écluse. Je dois le récupérer. Comment rester insensible à une histoire pareille? Attendez une minute. Eh ben, j'arrive pas à croire que ça fonctionne en plus. Mais oui, purée, genre c'est vrai, un truc tout bidon et ça marche pourtant. Il aurait pu se douter de la supercherie, mais visiblement non. Oui, mais c'est vrai que comment on peut pas dire en non à une personne aussi mignonne? Et voilà, l'eau ne devrait plus te gêner comme ça. Merci mille fois, monsieur, vous êtes si gentil. C'est vrai que c'est mignon quand même. On y va, Red. Comment il fait pour changer d'attitude si rapidement? J'avoue que c'est un super pouvoir, moi je dis. Ça, L'entrée est c'est à droite génial, de je la rue où trouve, se ta trouve part. l'office de quête. Ça, Ne c'est le perdons pas de meilleur truc temps. de elle. Ok. Ça, c'est ce que j'appelle être efficace. Du coup, il faut remonter dans le bateau et revenir où on était? Oui, il faut revenir là où on était. Bah écoute, on y va, hein. Et cette fois-ci, tu dois prendre le dernier passage. En plus, t'as un point d'exclamation à l'endroit où tu dois aller. L'entrée des canaux souterrains est par là. Ok. Le pire, c'est que le jeu, il te dit vraiment où il faut Génial, aller. merci. Ouais, non, mais le jeu, il est sympa, il t'explique où est-ce que tu dois aller. Mais au moins, ça, c'est génial. Ah oui, mais attends. J'ai oublié de te dire, c'est vers là que On a une bonne tu vision. rencontreras vraiment le personnage le plus marrant de la série. Ah ouais? Tant que ça, Oui. pardon. Tant que ça. Je te jure, Purée il de est pommes de hyper terre. marrant pour moi. Voilà l'entrée des canaux souterrains. Nous allons devoir te laisser ici, Amélie. J'espère que vous reviendrez jouer avec moi. Bonne chance, monsieur Red. Merci, à bientôt. Monsieur, il a que 17 ans pourtant. Ah ouais? Non! Il a 17 ans. Si, il a 17 ans, Red Sabara. Il est si... En fait, il est si jeune que ça. Ok, je comprends mieux pourquoi il a un petit peu un comportement de gamin parfois. Je comprends mieux. Par contre, à la fin du jeu, il a 18 ans. Ah ok, donc du coup, entre-temps, il grandit dans l'histoire, du coup. Oui, Genre, il prend oui, une étant fait année, qu'il quoi. n'allait pas Genre, il grandir. grandit dans l'histoire. Genre, il reste pas... Ok. C'est-à-dire que l'histoire, du coup, Oui. elle dure pendant très longtemps, alors. Oui, elle dure pendant Genre, toute une année. ça a duré pendant toute une année, du coup, vu qu'il a grandi entre deux. On y Oui, va! et ça, je trouve Let's quand même go! bien. On va attraper ce putain de panneau. On va détruire des caisses avec. Et je sais pas. Elle a demandé le panneau et... Oh, fais attention à ça. Oui! Ah oui, c'est vrai, il faut sauter, purée. J'ai oublié qu'il fallait sauter. Bon, crève le panneau. Voilà. Mort. Les panneaux ont rien Oui, demandé, ils ont rien demandé, je puis leur explose la tronche et je les insulte. Cette pièce est remplie d'eau. Je vais devoir laisser le Daek ici. Fais attention aux poissons. Bah ouais. Ah oui, par contre, c'est vrai, fais vraiment attention aux poissons. Tu peux pas passer par là, faut vraiment que tu passes par l'eau en Ah bas. oui, faut vraiment passer. C'est par là, putain! Appuie sur B pour aller plus vite. J'ai dit ah! Voilà. Ok. Ah, ça c'est pour améliorer le DAC. Ça c'est pour améliorer le DAC. C'est calme, mais il y a quelque chose ici, je le sens. Ah oui, d'accord, ok. La perspective, il m'a absolument pas aidé. Mais on Tu est... t'y attendais à ça? Non.
Et bah tu Il y a une valve pourras enlever là-bas. toute Peut-être l'eau. qu'elle sert à vider l'eau? Quand tu nages, j'appuie sur le bouton A plusieurs fois pour accélérer. Oh mon Dieu! C'est... J'allais dire un truc, mais du coup, je vais pas le dire. C'est-à-dire quoi? Attends. Ah! Voilà. J'aime bien tirer sur les trucs. Ah, t'as repris de la vie. Ah! Mais il est mort en plus. Bah oui, de toute façon, il est mort vu que je l'ai... Voilà, on a vidé Et à l'eau. ça? Incroyable, hein? Et il y a ça, hein, tu dois faire demi-tour pour récupérer le DAC. Oui, exactement. Bah, faut reprendre le même chemin qu'on a pris à l'aller, quoi. Plus d'eau. Je peux aller récupérer mon robot. Bah, tu peux J'aime puisque le récupérer. mot robot, ils le mettent en rouge pour dire vraiment que c'est à lui. C'est le robot. Bah, allez, on retourne récupérer ce foutu robot. Et ça s'appelle le robot. Voilà, c'est bon, parce que je sais pas appuyer sur des boutons en fait. Non, je te jure, ici, ça bug quand même un peu pour Non, mais je sais sauter. pas appuyer sur des boutons de toute façon. Regarde, le dissimuler ses entrées. Voyons si l'une d'elles nous mènerait au temple. Tu veux que je te dise laquelle mène au temple ou... T'en fais pas, j'ai pas envie qu'on me donne des solutions! Oui, bah oui, je sais, fou le robot, je suis trop bête. Puisqu'il faut que le robot soulève les portes. Bah, du coup, on va soulever les portes! Je crois que c'est le bon Quand chemin. même, c'est. Mais le pire, c'est que Voilà, le tout robot, je détail. demande quelle puissance il a quand même. Bah, il a une puissance nécessaire pour. Mais il a la puissance nécessaire pour soulever des portes, quoi, hein, tout simplement. Mais aussi soulever de gros robots pour te dire. Oui. Et Ah! Cureuse! Déclinez à votre. Courvax. Attends, c'est Curvax! Bah oui. Déclinez votre identité. Ah oui, c'est Curvette! Curvette! Ah! Je le retiendrai jamais, hein, tu me l'as dit 10 fois, mais je le retiens jamais. Le comme le Heidenburg. Aidenbourg, mais oui, je le retiens jamais! Tu me l'as dit 10 fois et je le retiens pas! Par contre, c'est un peu bizarre quand même que les personnages parlent tous en français, sont des Français contre des Allemands. Un peu bizarre ça quand Ouais, même. c'est vrai, genre oui, les certains noms sont en allemand, je trouve ça un peu bizarre. C'est Déclinez genre votre identité t'es... et la raison de votre présence. C'est un hold-up! Laissez-nous passer si vous tenez à la vie. Il est pas crédible, Red. Ah, oh, tu me saoules, robot de con, là! C'est mieux que tu recules avant qu'il attaque. Il fait mal! Mais il fait mal, je suis derrière! Par contre, c'est chiant. Puisqu'il faudra encore de la vie pour l'autre après. Ok. Infirmière, me revoilà. Désolé, mon pote. Tiens-toi tranquille, ok? Comment Red, il en a rien à faire, il Non s'est mais fait Red, il est hyper vraiment mal en mais mode, pour oh, rien. je fais mon délinquant. Par contre, on sauvegarde, s'il vous plaît. C'est comme dans les Paper Mario, à chaque fois que je vois des blocs de sauvegarde, je sauvegarde à chaque fois. Mais par contre, c'est pourquoi tu as une sauvegarde de moi? Ah, ça sent un affrontement, genre gros affrontement. Bah, le personnage que je te dis qui est hyper marrant, c'est un boss. C'est ça le Ok, pire. bon bah super, j'en étais sûr. Je disais bien que si... Eh, les sauvegardes, ils les mettent jamais par hasard, n'importe où. Jamais. Ça, c'est Red, vrai par je contre. crois que c'est ce que nous cherchons. Tu as raison. Et Kurvats nous ont préparé une petite fête. Il fait peur. Hé, vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites là? J'allais te demander la Mais même non. chose. Chasseur du Kurvats.
Putain, enfin j'ai retenu Kurvats, quoi. Putain. Je préfère qu'on m'appelle Kalua, amigo. Kalua. Kalua, du coup. En plus, et... ouais. Oh, je sais pas, tu me dis, ils parlent tous français. Moi, je dis, il y a que des mots français, ok. Eh, hey, c'est bon. Hein. Ne me dis pas que tu t'intéresses aussi au cristal. Le cristal, c'est ce que cherche le Kurvats. Oups, je crois que j'en ai trop dit. Ce type est vraiment un crétin. Pas de problème. Enfin, vu qu'on n'a pas la clé, on ne risque pas d'aller bien loin. Tu veux parler de cette clé? Ouais, celle-là, trop fort. C'est qui, le crétin? Tu n'aurais pas dû la lui montrer. Ah, oups. Mais tu vois, il est en bête, là. Ce serait vraiment sympatoche de me donner la clé, amigo. Dans tes rêves, pousse-toi de là, je passe. Et j'ai là, peur, je vais mourir. Ouais, j'ai fait mal. Mais il fait mal. Mais comment tu veux là? Tu dois attendre qu'il attaque. Tu vas derrière, tu t'éloignes de lui et attends qu'il attaque. Ou tu prends ses missiles. Prends vite le gun qui est derrière toi. Ah! Ah purée! Je te déconseille vraiment d'essayer de l'attraper après qu'il t'ait attaqué. Mais attends, faut attendre qui. Faut attendre qu'il attaque et après tu l'attrapes. C'est comme ça qu'on doit faire avec ce boss. C'est ça qui est énervant. Ah! Le lag. Ah tiens, le jeu commence déjà à laguer enfin. Bah, il a lagué déjà plusieurs fois durant le premier stream, je me souviens. Ah! Ah, tu peux l'attraper? T'aurais pu l'attraper. Yes. Wesh! Bah, moi, peut-être wow! Peut-être, ah peut-être pas mourir au premier boss. Non, mais... non! En fait, j'arrive pas à spammer vite, du coup, c'est chaud. Non, mais oh bon, ce jeu, c'est pour ceux qui aiment spammer les boutons, quand même. Bah oui, non, mais ça, c'est le cas de le dire. Non, mais sérieux, j'arrive pas. Ça me saoule. Par contre, ne meurs pas. Ne meurs pas, je te jure. Non, mais sérieux, j'en ai marre. J'arrive pas. Tu vas mourir. Ah oui, non, mais fou. Meurs pas. Ça a lagué, j'ai demandé. Oui, ça a lagué. Magnifique. Ça surprend, hein. Fut, je crois que je t'avais sous-estimé. Maintenant, tu vas nous expliquer ce que le Kurvats manigance. J'aimerais bien, mais faut que j'y aille. A plus. Reviens ici. Eh ben, c'est un rapide. Inutile de lui courir après. Bon, utilisons la clé pour récupérer le cristal. C'est ici qu'elle va? Hein? Par contre aussi, je voulais juste te dire, c'est que vraiment, le chat est hyper silencieux. Et un cristal, hein. Je m'en doutais. Le nono, la source de mon pouvoir, réagit au cristal. Ce qui signifie qu'il a forcément un rapport avec le Lares. Bon. Filons d'ici avant que les Kurvats ne reviennent. Chocolat, on est prêt à partir? Tout est prêt. Ça va, elle? Ça va, mais dépêchons
Mais dépêchons de partir avant que d'autres Kurvats nous repèrent. En avant. C'est parti. Je te jure, vraiment, là, ça va être un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y a après du cristal ? Il y a encore du lore, là. Alors, pourquoi reviens-tu les mains vides ? Eh ben, ils avaient l'air marrants, alors j'ai voulu m'amuser un peu avec eux. Un peu de sérieux, Kalou. Kaloua, dis-nous, qui a pris le cristal ? C'était un chasseur sur un minable robot rouge, je crois qu'il s'appelait... Red ! Oui, c'est ce qu'il a dit, le petit Féninico qui l'accompagnait. Je sais de qui il s'agit. Vraiment ? Dans ce cas, je te laisse t'en occuper. Je vais aller me reposer dans mes quartiers. Bien, maître. Jamais Glenn, compris. Attends, Jax, il y a un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi ils disent mes quartiers si ça se nomme pas des quartiers à la base ? Ouais, bon, c'est une... Bien, maître Green, peux-tu les retrouver ? Notre unité spéciale retrouvera l'objet volé, soyez-en sûrs. Parfait. Passe-le. Passe-le bonjour à Miss Opera de ma part. Ce sera fait. Mettons-nous en route immédiatement. A plus. Intéressant. Red et le Dac. Accompagné par un brave. Qui plus est... Simple coïncidence, j'en doute. Hé hé. Elle. Tiens, tiens, lui. S'il y a des progressions, bah oui. Chapitre 2 fini. Il manque plus que 8 chapitres pour terminer la première partie. Super, génial, j'adore. Attends, du coup, ça veut dire que littéralement chaque partie est composée de 10 chapitres, du coup ? Vu qu'il y en a 20 ? Il y en a, c'est que en deux parties le jeu, donc... Oui, mais du coup, ça veut dire que vu qu'il y a 20 chapitres, ils sont répartis du coup en deux parties, qui du coup, chaque partie contient 10 chapitres. Oui, c'est ça. Ouais, bon, bravo, je sais calculer, je suis forte en maths. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ce cristal ? On pourrait pas aller désactiver cela reste de suite ? Qu'on soit débarrassé ? La cérémonie de désactivation s'appelle le rite d'abandon. Mais je ne peux pas le réaliser si facilement. La porte menant à la terre sacrée où le rite doit se dérouler est bien cachée. Son emplacement change après chaque rite et ne réapparaît qu'à certains moments. Je vais accomplir quelques quêtes en attendant que ta porte apparaisse. Et moi, j'aimerais bien faire réviser l'Asmodeus. On n'a qu'à aller voir... Je sais jamais lire les noms, ça me saoule. Zimundo dans les îles d'Avren. Je sais jamais lire les dialogues, c'est... Bon, du coup, c'est bien beau. Destination. Voilà. Y va, let's go. Île de Draven. Ok. Le clan des braves. Tiens. Kaloua, mon cher, tu réalises dans quelle situation tu nous as mis ? À cause de toi, on se retrouve avec une tonne de travail en plus sur les bras. Ah oui, je suis vraiment désolé, Miss Opera. Tu le caches bien. Miss Opera, la cible semble se diriger vers les îles de Davren. Excellent! Reviens vite me voir, mon chou. Bien reçu. Je regagne le Royal Envy immédiatement. Ce serait du suicide de traverser les îles de Davren avec un navire aussi gros. Ne t'inquiète pas, Trésor. Je vais envoyer les récupérateurs. Très bien. Toujours aussi mystérieux, celui-là. Ça va aller. Je sais que je peux le refaire. Le rite d'abandon.
Ce n'était pas si difficile la première fois. Bonsoir, bienvenue sur le stream, la Faust 59, bienvenue. Oh, bienvenue sur le stream. Red, c'est Québec. Ah, qu'est-ce qu'il veut? On n'est pas en mission pour lui, pourtant. On m'a dit que vous étiez encore tombé sur les Curvats à Spinon. Et je leur ai encore mis une raclée. Quoi de neuf, à part ça? Cette fois, tu es allé trop loin, Red. Ils ne jouent plus. Il paraît qu'ils ont envoyé leur unité spéciale à vos trousses. Oui, unité spéciale là, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? C'est une bande de grosses brutes qui fait le sale boulot de la guilde. Je suis bien placé pour le savoir, j'en ai fait partie. Ah ouais? C'est vrai qu'ils faisaient partie des Courvax. Ah ouais? Comme ça? C'est vrai? Oui, mais il a pris sa retraite. Oui. Et je vous conseille de... Et je vous conseille de filer. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah! C'est... C'est le Royal Envy. Donne-moi le cristal, s'il te plaît. Les commandes ne répondent plus. Ça se voit quand même qu'ils se sont mince, cassés la tête pour faire tout ça, quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh oui, que c'est triste. Envoyez les récupérateurs. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok, levez la patte si vous avez trop mal pour lever une patte. Ce n'est pas très logique. Pas trop, non. Je vais aller voir dehors. Oui, oui, oui. Voyons voir. Et c'est vrai que par contre, là, ça va être dur. Ça va être dur? Ok, bon, bah, ça en dit long. Par contre, Opéra, c'est vraiment un personnage que j'aime pas non plus. Reste 1, 2, 1, 2. Ça marche. Vous m'entendez? Donnez-moi le cristal, ou ça pourrait très mal finir. Hors de question. Alors. Hors de question. Alors. Enfin, par contre, je m'entends dans le... Pendant le live, j'ai pas l'impression d'entendre ma vraie voix. Ah. Mais ton pas. Ah, j'avoue que... Du coup, que faut-il faire ici? Ah. Bah, tu l'es. Ils sont mais... trop nombreux. Mais d'où ils sortent tous? Il doit y avoir des navires de contrôle pour commander tous ces robots. Mais où et comment peut-on les atteindre? Il faut qu'on en discute. Reviens à l'intérieur. Alors l'Asmodeus est en panne et on est coincé ici? J'ai appelé Daimundo pour lui demander de venir le réparer. Mais il est occupé apparemment. Il ne peut pas venir tout de suite. Génial. Il faut détruire les navires de contrôle. On va se faire massacrer par ces robots. D'accord, mais comment je suis censé les atteindre? Avec le DAG, bien sûr. J'ai activé le mode vol. Ah, par contre, j'espère que tu sais piloter un truc qui vole, là. Oh non! Un truc qui vole, mais tu te fous moi? Le pire, c'est que les touches pour monter et descendre sont inversées. Oh non! Non! Ah. Bon, à part, tu peux aussi changer les commandes, si tu veux. Non, mais t'inquiète. Il y a très bien de contrôle sur les flèches. Ça ne pensera pas à grand-chose de détruire le petit. Je dois trouver ces navires de contrôle et m'en débarrasser vite fait. Ouais, je veux, s'il te plaît, merci, le jeu. Bien sûr, le bouton B pour planer et appuie sur le haut pour avancer. Appuie sur bas pour descendre. Il y a beaucoup trop d'explications à mon goût. Appuie sur bas là, pour monter et sur haut pour descendre. Bon, du coup, en gros, c'est juste inversé quoi. C'est. Oui, mais si, c'est les pour inverser les commandes au bas. Maintiens le bouton R et utilise la manette plus pour regarder autour de toi. Appuie deux fois sur le bouton R pour replacer la caméra derrière toi.
J'ai l'air situé au sol dans les airs, sans avancer. Ah! Du coup... Ouais, genre... du coup, on fait comment? En gros, t'appuies sur le bouton B pour... tu retiens le bouton B. Mais je comprends pas. Vite. Ah! Alors, retiens le bouton B. Retiens-le, j'ai pas dit. Attends, mais... Non, laisse-toi tomber, là. Attends, mais... Ça sert à rien, laisse-toi tomber. Ah, voilà. En gros... J'ai compris, purée. Voilà, appuie sur le bouton pour réaliser une attaque foudre sur l'ennemi. Attends. Et en gros, va vers le vaisseau, pose-toi sur l'île. Ah! Te poser sur l'île. Oh, t'as un turbo limité quand même. Quand la jauge du turbo est vide, tu perds de l'altitude. Atterris pour la remplir. Ouais, sauf que là, bon, je suis un peu loin pour atterrir. Ah oh, c'est infernal. J'en ai marre. La première fois que j'ai fait ça, je te jure, j'avais pété les plombs. Mais j'en peux plus. Toi, tu me saoules. Dégage. Mais purée, lui, il a rien demandé. Mais j'en ai marre. Je comprends rien en plus avec cette caméra de con, là. T'as oublié, tu dois retenir un bouton pour déplacer la caméra. Mais c'est insupportable, je sais pas jouer. Pose-toi sur l'île qui est en... Bah, j'aimerais bien essayer de m'y poser dessus, mais ça va être compliqué, quoi. Oh, mais je sais pas jouer à ce jeu. J'ai joué à rien, c'est incroyable! Attends, mais. Oh, ça me saoule! J'y arrive pas! Mais j'en ai marre! Je fais n'importe quoi avec les boutons! Oh putain, la caméra, elle m'aide pas! Je sais même pas depuis combien de minutes t'es dessus là! Tu es dessus! Maintenant, pose-toi sur l'île! Voilà! Non, Ah, tu peux foncer dedans ? Éjection ! Éjection ! Il y a un navire de contrôle en moins. Encore deux ! Putain, il y en a trois à buter ! Quoi ? Tu te fous de moi ? Bon, moi, il est sympa. C'est sympa puisqu'ils te font pas perdre de vie. On est d'accord, hein ? Ouais, mais abandonne, ils réapparaîtront rapidement. Non, mais attends, non, mais attends ! Non, mais attends ! Oh, le jeu qui lag. Attends. Ici. Le vaisseau est vers là où la flèche te montre. Oui, non mais... Tu te fous de ma gueule, le jeu! C'est insupportable! Mais c'est insupportable, je sais pas jouer! Genre, vraiment, j'ai appris à jouer avec les pieds! C'est insane! Attends, mais je suis morte là! Mais c'est bon! C'est par où qu'il faut aller? C'est là-bas? Oui, il faut aller tout là-bas! C'est tout là-bas, mais. Oh, j'en ai marre! Je comprends rien au contrôle de ce jeu! J'en ai marre! Au pire, attends. Voilà. Oh, le jeu qui lag. Bon, la mort. Oh, je suis vraiment trop mauvaise.
C'est par là du coup qu'il faut que j'aille. C'est par là. Sur la bonne direction, on est d'accord. Bah, je suis d'accord, c'est vers la base. Bah oui, c'est là-bas. Faut passer d'île en île. Bah oui, mais... Mais comme je suis trop bête, bah, je comprends pas ça. Non, tu me le paieras. Plus qu'un, Red. Ouais, bah en attendant, il en reste plus qu'un, mais je suis pas dans la merde, là, j'ai plus de turbo. Et je vais tomber. Voilà, je suis tombé. Bon, j'ai réussi à en buter. Sauf que maintenant, il est encore plus loin, lui. Attends, je vais dans la bonne direction, moi. Bah attends, il faudrait que j'essaye d'arriver, mais... Ouais, tu sais qu'avec une touche, tu peux aller plus vite. Non, je suis tombé. Comment ça, avec une touche, là, on peut... Oh, regarde, au-dessus de ton écran, il y a écrit des fois quand tu voles, t'as une touche pour aller plus vite. Regarde la touche. C'est le bouton L, il est dit pour voler plus vite. Attends, mais... C'est ici? Ah bah non, c'est pas ici. Non. Mais la flèche, elle s'affiche pas, là! Regarde, appuyez sur R. Oui, bah oui, c'est... Mais sérieux, mais... C'est une vanne! Le jeu, il se fout de moi, en fait! Le jeu, il aime bien se foutre ouvertement de ma gueule, en fait. Je vous dégage le temps de 2 secondes. C'est par là, du coup. Mais il est loin, mais... Plus loin que ça, tu meurs, en fait. Voilà! Et après, je te préviens de ce qu'il faudra faire. Faudra retourner vers l'Asmodos. Oh non, bordel. Tu me rassures pas à me dire ce genre de truc, tu sais. C'est ça le game. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oh! Oui! Usopérin, pardonnez-nous, les récupérateurs ont été éliminés. C'était le dernier navire de contrôle, non? Les robots qui entouraient l'Asmodeus se sont tous écrasés. Parfait, j'entre! Du coup, ça veut dire que là, il faut. Usopérin. Ah non, pardon. T'as pas besoin. Usopérin, ce gars vient de partir à l'attaque sans permission. Laisse le faire. Ce n'est pas vraiment l'un des nôtres, trésor. Il est sûrement parti chercher le cristal lui-même après l'échec des récupérateurs. Ah, le fameux... Si je puis me permettre, Miss Opéra. Allons, allons. Contentons-nous d'assister au spectacle, d'accord? Hihihi. Lui, par contre, il est bien stylé comme personnage. Je suis rentré. Bien joué. Ah, j'avais besoin de refaire tout le trajet. Ah, quelque chose arrive droit sur nous, à vitesse grand V. Hein? 3 secondes. Vent, entends ma prière. Ah. Qui c'est, ça?
Ne bouge pas. Beluga ? Elle, j'en étais sûr. Tu es vivant, Belle. Donne-moi le cristal. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Eh, c'est après moi que t'en as, non ? Alors bats-toi. Je ne le récupérerai. Je ne répéterai pas. Donne-moi le cristal. Tout de suite. Sinon, je détruis ce vaisseau. Quoi ? Espèce de lâche ! Tu es trop tranquille. Tu n'es pas de taille contre moi. C'est vrai que c'est un peu lâche, ça. Ouais, j'avais remarqué. Ça craint. Red. Attends, mince. Voilà, je vais remettre. Le jeu, s'il veut se remettre. Elle, le cristal. On n'a pas le choix. Donne-lui le cristal, elle. Elle le fait. Je sais que vous m'entendez, Miss Opéra. J'ai récupéré le cristal. Excellent travail, trésor. Je savais que tu étais un pro. Le Kurvats ? Tu es avec eux ? Non, pas le médaillon. Pas si fort. Je le récupérerai aussi la prochaine fois. Oh ! Tu as dit quelque chose ? Non, rien. Je rentre. Ça te pose pas de questions, ça, quand même. C'est un peu étrange, ouais. Et le gars ? Elle ? Comment va elle ? Et bien sûr, le vaisseau quand même est endommagé. Je crois qu'il a besoin d'être un peu seul. On ne sait pas grand-chose à son sujet, hein ? Non, mais ce ne serait pas très poli de lui poser plein de questions. Oui, mais... Ah ? Daimundo ! Désolé de t'avoir fait attendre. Il était temps. Ah. Tu peux parler à la mousseuse ? S'il te plaît, dépêche-toi, il fait mal. Du calme, on ne panique pas. D'abord, je dois l'examiner. Et j'ai aussi un petit verre à service à te demander, Red. Un service ? Ah, le fameux truc que je savais parler à un moment donné. J'aimerais que tu m'aides à tester une machine de course. Une course ? Tu ne parlerais pas du Grand Prix Aérobot par hasard ? Et si, je m'occuperai des réparations pendant que tu fais ça. Tu rigoles ? Je n'ai jamais participé à une course. Je sais. C'est pour ça que je t'ai demandé, que j'ai demandé à un de mes appareils de t'aider. Rends-moi ce service et je réparerai votre vaisseau gratuitement. Tu es partant ? T'as dit... Attends, par contre, Moulax, t'as dit appareil alors qu'il avait dit apprenti. Ah, je sais pas lire. Hein. Ouais, écoute, hein, ça arrive de pas savoir lire. Hein. Ça arrive. Ça va tout le monde. Hein ? Évidemment que je suis partant. La joueuse n'est pas en état de voler. De toute façon, autant y aller, Red. Oui, je n'ai rien à faire ici. Très bien, j'y vais. Oh et non, là, vas-y. Qui ressemble, tu vas voir un truc qui ressemble à Mario Kart. Ça me fait peur, vas-y, tu me fais peur là. Je vais être nul. On dirait un circuit de course. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mon maître t'a envoyé à sa place ? Hein ? C'est toi l'apprenti de Daimundo ? Eh oui. Enfin, ancien apprenti pour être exact. Tu vas voler ? Un instant. J'ai quelques réglages à faire. Ouais, génial ! Ça marche. Je vais assembler ces pièces en un rien de temps. Bon, ça, c'est un truc que j'adore, puisque maintenant, t'as enfin le personnage que tu joues qui parle, comparé à d'autres jeux où c'est toi qui choisis ce qu'il doit dire et le personnage parle pas. Ouais, tu choisis des paroles, mais genre, il parle pas. Genre, là, pour le coup, tu choisis ce qu'il dit et du coup, il parle après. Je trouve ça cool. Oui, ça, c'est j'aime bien. Ouais, c'est cool, ça. Par contre, là, ça part en Diddy Kong Racing, plutôt. Ah, j'avoue, avec l'avion, ouais, j'avoue, ça fait très Diddy Kong Racing, pour le coup.
Parce que je sais qu'il y a des phases en avion et tout, donc ouais, ça fait très Diddy Kong Racing pour le coup. Et c'est plus du Mario Kart. L'engin est pris, on n'a plus qu'à aller au circuit. C'est quand tu veux. Tu veux que je t'explique comment ça se passe? Ouais, je veux des explications, s'il te plaît. Oui, mais toi, tu sais pas comment faire. Bah non, c'est ma première fois, je t'écoute. C'est facile, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir. Ok. C'est Bouka qui va t'expliquer. Oui, voilà. Bah tiens, le bouton A pour avancer, utilise la croix pour te diriger. Bon, ok. Ça, c'est simple pour l'instant. Appuie sur bas de la manette pour monter et sur haut pour descendre. Appuie sur Select pour inverser les commandes. Bon, ok, bon, ça c'est classique, c'est comme dans l'autre truc, là. Maintenant, le bouton R, bouton L, et utilise la manette pour effectuer un dérapage. Attends, what? Attends, non mais y'a un truc qui va pas, attends, on est d'accord, c'est des avions. On est d'accord. Bah oui. Mais ils font des dérapages dans les airs. Dans Diddy Kong Racing, ils font ça aussi. J'ai pas assez joué à Diddy Kong Racing, malheureusement, j'ai pas assez joué. Donc je peux pas... Je sais juste qu'il y a des phases en avion, mais j'ai pas assez joué pour savoir le gameplay exact. Et du coup, genre, il y a des dérapages en avion. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est génial. Récupère des cristaux chemin pour remplir la jauge de turbo. Maintiens le bouton B pour utiliser la jauge de turbo et accélérer. Oui, tu peux pas freiner dans ce jeu. Oh, trop bien. Du coup, ça veut dire que je vais perdre, de toute façon. Bah, c'est comme Mario Kart Wii, tu peux pas freiner. Si, on peut freiner. Ah bah non. Putain, bah non, non mais... Avec l'enjeu mal foutu, là. Ah, il a... Les objets récupérés sur le circuit peuvent servir à ralentir tes adversaires. Oh, je me demande bien, ça ressemble à quel jeu? Je me demande bien. Mario Kart et Diddy Kong. Attends, non mais c'est vraiment un Mario Kart, mais genre vraiment vieux Mario Kart. Hein, ça se voit au niveau des commandes. Niveau contrôle, ça fait vieux Mario Kart. Genre le bouton X pour lancer les objets et LR pour déraper et tout, ça fait vieux Mario Kart. Parce que maintenant, souvent on utilise le bouton L pour utiliser les objets. C'est un peu, en vrai, pour te dire, c'est que c'est un peu à la Super Mario Kart et à la Mario Kart Super Circuit. Ah, je comprends. C'est des objets récupérés. Mais je viens de le lire il y a 2 secondes. Ah. Ah, voilà, là, il explique chaque objet. Le client génère une barrière qui te protège des objets de tes adversaires. Ok. Le missile, ça vise le navire le plus proche et elle lui fait exploser, il lui fait perdre le contrôle. Bon, ok. Large pour faire perdre le contrôle à tes poursuivants. Ok. Brouilleur, dégage une fumée noire. Par contre, ça, on est vraiment d'accord, Boulax, que ça doit être un peu plus facile à comprendre. De. Bah, les items, c'est plus facile à comprendre, ça. Mais vas-y, je vais perdre. Bon, par contre, je vais perdre en fait. Mais non. Mais si, je vais perdre. En vrai, pour te dire, c'est que j'ai pas réussi de terminer premier dans ce truc, donc c'est vrai que c'est dur. Et bon, j'espère qu'il va pas t'en vouloir si tu... Ah, mais... Mais attends, mais c'est vrai, les contrôles, je les ai pas inversés. Ce truc est punitif, vraiment... Bon, par contre, on est d'accord, tu peux vraiment recommencer la partie, là. Oui, non, mais... Mais en fait, genre, vas-y, mais attends, mais j'ai... Attends. C'est ta première, donc. Ça, c'est Select. Ça, c'est Start. Mais la vache, mais c'est dur. Ah bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est un peu ma carte super circuit. Ouais, non mais ma regarde super circuit à côté, je galère moins. Là, c'est dur. Après, c'est qu'à un moment donné, t'auras des quêtes où il faudra faire des courses aussi. Oh, c'est trop chiant. Et le pire, c'est qu'ils te disent de terminer premier. Oh non! Oh non. Donc ces quêtes-là, tu peux vraiment abandonner. Oh purée. Oh, mais vraiment, mais je sais pas, jouer à ce jeu, c'est grave. Hein. Non, mais c'est ta première aussi à ce jeu.
Mais tu veux tourner comment? On dirait Super Mario Kart, tellement c'est chiant à manier. Toi, pourquoi je t'ai dit que c'est un peu du Super Mario Kart? Bah, la maniabilité, pour le coup, oui, hein. Ça, je peux te le confirmer, hein. Moi, j'ai fini dernière, j'adore ma vie. Ah bah non, c'est tour 2. Oui, il y a 3 tours. Je pensais pas qu'il y avait plusieurs tours, moi. Bah, quand je dis Mario Kart, tu peux... Eh, je sais pas, genre, moi, tu me dis, il y a 2 tours grand max, mais pas... Vas-y, c'est vrai que le circuit, il est long. Et il est long, frérot. Dans Mario Kart, t'as jamais ça. Bah, en vrai, je dis ça, mais si, en fait. On en parle de la Rainbow Road sur Nintendo 64. Oui, bon, ça c'est parce qu'à l'époque ils avaient carrément déconné. Hein. Non, mais 10 minutes pour finir 3 tours. Ouais, c'est ultra punitif une fois que t'es dedans quoi. Hein. Bon, c'est que vraiment tu dois t'adapter à la map, c'est ça qui est énervant. Ouais, mais là, faut savoir aussi contrôler le jeu, hein. Toi que tu sais pas faire. Oh. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu y arriveras. Mais oui. Dernier tour. Oh. Bah, c'est de plus en plus correct, je trouve, comment tu conduis. Bah, j'y arrive un peu, ouais. Fait littéralement les dérapages, c'est vraiment ça qui rend le truc maniable ou pas, parce que bon. Ah, par contre, pour celui qui est au premier, tu peux rêver pour le rattraper. Trop fort, hein. On dirait des japonais. Les japonais de Mario Kart 8 Deluxe là. Non, je parle pas d'eux. Bah, je suis quatrième, trop bien, yay. Ah, j'ai même pas vu. Parce que moi j'ai un écran noir. Ah. Ah là je vois. C'est la ligne d'arrivée. Bien joué. Reviens à la queue de la course. Ok. Bon, j'ai fini quatrième, mais vas-y, c'était cool, hein. Alors, qu'en penses-tu? Pas mal du tout. Cet engin est très prometteur. Et toi aussi? Ouais, bon, j'ai fini dernière et je me suis bouffé la moitié des murs, mais vas-y, j'ai fait bien. Vas-y, quoi. Le pire, c'est... Attends, mais le pire, c'est que dans certaines quêtes aussi, t'auras de nouveau ce truc de véhicule. Trop énervant, vas-y. Encore un peu d'entraînement et tu feras des étincelles. C'est vrai? Toutes les données sont dans ce rapport. Donne-le à Daimondo, d'accord? Ça marche, merci. À la prochaine. Et au revoir. Attends une seconde, Boulette. J'ai juste besoin d'aller de quelque part. Je vais vous rejoindre plus tard en vocal. Ok. Je vois, je vois. Attendez, hop. Ok. Attends, je vais le laisser en fait, attends. Mince. Oui, non, mais je l'avais pas mieux de toute façon. Bref. Ah, tout voilà. Je suis exténué. Ah, voilà le rapport. Je dois dire que ces résultats sont remarquables. Merci de ton... Ah, parce que j'ai curseur devant. De ton aide, jeune homme. De rien, je me suis bien amusé. Si ça te plaît autant, je te donne l'appareil. Gamin. Vraiment? Oh, merci, Daimondo. Je l'ai appelé l'âme éclair. Un nom parfait, sans vouloir me vanter. Si tu as envie de tenter ta chance en compétition, va aux îles de Davren. Il y a toujours des courses
qui sont organisées. Super, merci du conseil. Par contre, je vais avoir besoin de plus de temps pour réparer l'Asmodeus. Ah bon? Très bien, bon courage. Comment va elle? Je crois que quelque chose le tracasse. Ouais, mais quoi? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans sa tête. Oh, Red, c'est toi? Tu veux qu'on parle? Non, merci. Je préférerais qu'on me laisse tranquille. Attends, elle. Tu es sûr que tu ne veux pas en parler? Attends, quoi? Bonsoir, Nico. Bonsoir sur le stream, bienvenue. Bah c'est sympa, dis donc, de venir me dire bonjour. Écoute, c'est sympa. Si tu restes pas longtemps, c'est pas très grave. Ça, c'est toujours sympa quand même. Merci beaucoup. Oui, ce problème ne regarde que moi. Je n'en suis... suis de retour. Ah, ok. Pardon, je touffe. Je n'en suis pas si sûr. Enfin, bon, c'est comme tu veux. Et bienvenue à... Nico. Nico Sked. Nico. Nico, voilà. Nico, c'est plus simple. J'avais du mal à lire. Bah, au pire, appelle-le juste Nico, ça suffit très bien. Eh bien. Ok. Si tu veux prendre le temps de m'écouter, je t'expliquerai tout. Bonjour, humain mystérieux. Quelle douce voix, mais... Mais... Ils aiment bien ta voix, visiblement, les... Ils aiment bien... Bon, mais il aime bien ta voix, visiblement. Il aime bien. Je suis l'un des derniers membres du clan des Braves. Si jamais le Larès se réveille, c'est à nous de le replonger dans le sommeil. Attends, Nico, tu trouves vraiment que j'ai une voix douce? Bah, visiblement, oui. Le clan des Braves, okay. C'est la première fois que j'en entends parler. Il y a bien longtemps, la plupart des miens ont été massacrés. Ma patrie, mon peuple, tout est parti en fumée. C'est horrible. J'ai toujours cru qu'il n'y avait aucun autre survivant. Attends, il dit quoi? Non mais pas douce. Non mais pas douce, j'entends agréable. Ah ok, donc ouais, du coup tu la trouves agréable à écouter. Merci. C'est sympa, dis donc. Franchement, c'est pas... J'entends pas. T'es agréable. Pas méchant. Oui, bon, c'est pas... Oui, du coup, mais c'est gentil, dis donc. Un compliment comme ça pour les gens. Mais moi, j'en ai pas. Eh. Hey. Si, toi, ta voix, elle est agréable. Oui, non, mais même moi, j'ai pas de compliments de manière générale. Que ce soit sur ma... Pas forcément par rapport à ma voix, mais de manière générale. Des compliments comme ça, c'est pas... Ah, d'accord. Jusqu'à ce que je le retrouve. Lui. Ah. Ah non, attends, juste, il s'était trompé dans ce qu'il avait écrit. Oui, il avait écrit, non mais par douce, j'entends agréable. Oui, voilà. Ouais, je me suis dit, il y a un problème dans ce que t'as écrit en tu plus. Tu veux parler de ce gars? Tu veux parler de ce gars avec son robot noir? Oui, il s'appelle Beluga. Nous sommes du même clan. Et ce médaillon lui appartenait à l'origine. Ce vieux machin... Si Beluga souhaite remettre ce médaillon au Kurvats, j'ai bien peur qu'il ait renoncé à son devoir de désactiver le Larès. Mais pourquoi faire ça? Par contre, tu le dis mieux que moi, ça. Tu le dis mieux que moi, ce truc-là, le Larès. Moi, je le mets tout le temps le Lars. Ouais, sauf que non, c'est le Larès, en fait. Genre, c'est ES à la fin, donc c'est pas Lars. J'ai entrepris ce voyage par devoir moral. Par devant moral envers notre clan. Il n'y a que moi qui puisse m'en charger. Tu sais, j'ai réfléchi à un truc. À quoi? Et là, c'est hyper sympa de sa part. Vu que ta patrie a été détruite, tu n'as plus vraiment de foyer. Alors, jusqu'à la fin de notre combat, je veux que tu considères ce vaisseau comme chez toi. Que comment? Qu'en dis-tu? C'est vraiment très... Bonne soirée, je parle... Bah, vas-y, bonne soirée, du coup, merci.
Merci d'être passé. C'est vraiment très gentil de ta part. Soirée, Nico. Merci. Hé. C'est vrai que c'est hyper. Et franchement, moi je dis c'est sympa. Hein. Il était pas obligé. Hein. Bah, c'est vrai que quand même, il est le dernier de son clan. Donc, ouais, il est le dernier de son clan, donc bon. C'est vrai qu'il faut quand même avoir de la pitié envers lui. Ouais, c'est ça. Comment avancent les réparations? J'ai fait de mon mieux, mais ce n'est que temporaire. Enfin, ça devrait au moins vous permettre de voyager d'une île à l'autre. C'est vrai? Merci beaucoup! Mais l'asthme 2, ça a besoin d'être remis en état le plus tôt possible. Si je ne me trompe pas, la ville la plus proche est... Vizsla. Vizsla. J'avais un peu oublié le nom de cet endroit. On y trouvera les matériaux nécessaires pour terminer les réparations. Génial! Prochain arrêt, Vizsla. Maître, je vous apporte le cristal de Spinan. J'apprécie ta diligence, Opéra. Passons maintenant au cristal suivant. À vos ordres, maître. Je vais tout de suite analyser le cristal. Très bien. Savons-nous où se trouve le cristal suivant? Nous cherchons toujours, mais je crois avoir une idée. Comme par hasard, le cristal est là où il y a Red. J'ai pris le cristal, mais je n'ai pas pu récupérer le médaillon. Miss Opéra était à l'écoute. Tu as bien fait. Bruno ne doit pas découvrir l'existence du médaillon. Tant qu'il est entre les mains de l'autre brave, rien ne presse. Elle. Je ne laisserai pas elle accomplir le rite d'abandon une nouvelle fois. Bon bah écoute, on passe à la prochaine destination. C'est quand même assez spécial. Oui. Et là... Là, je te jure, j'étais morte de rire en lisant ça, et après quand j'ai vu vers la fin du chapitre. On y est. Alors c'est ça, Vizsla? Ah, je vous attendais. L'asthme 2, c'est un ancien modèle. Je vais avoir besoin d'un matériau spécial. Il me faut de la carapace d'un insecte qu'on appelle la scarabée. La carapace d'un insecte, vous êtes sûr de vous? Pas vraiment, mais c'est un matériau solide et léger, idéal pour les navires. Il devrait y en avoir dans le coin. Ramenez-en quelques-unes, d'accord? Dans le coin? Vous ne pourriez pas être un peu plus précis? C'est un peu le problème de ce personnage, il est pas précis. Bon, je devrais essayer de m'en renseigner. Tu pourrais en profiter pour aller faire un tour à l'office de quête. J'allais dire l'office de Salan, vas-y, ça veut rien dire, mais tant pis. Bonne idée, je trouverai peut-être une piste en aidant quelqu'un. Si ton rang de chasseur est insuffisant pour les quêtes proposées à Vizsla, tu peux toujours aller voir sur une autre île. Bah écoute, Oui, parce que c'est là que je suis sûr que t'auras pas vraiment le niveau nécessaire pour faire la quête des histoires, donc il faudrait que t'en fasses d'autres. La quête est actuellement disponible, ok. Ah oui, bon, je suis loin de... Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que le jeu va être hyper long puisque tu dois faire beaucoup de quêtes. Ah oui, non mais... Ah oui, donc du coup, attends, mais... Toutes ces quêtes-là, tu peux que les faire, mais dans les autres endroits. Ah ouais, ok. Donc, c'est-à-dire que tu dois retourner aux anciens endroits pour faire les quêtes. Ah ouais, je vois. Ok, bon bah... du coup... Mince, je suis trompé. Mais je veux pas aller là! Tu me saoules! Bah si, en fait, tu devrais peut-être y aller, puisque tu pourrais modifier le DAC. Ah, bien vu! Ouais. A voir combien de pièces tu as. Bah, j'ai aucune pièce, t'es drôle, t'as toi. T'as pas assez.
Non, en gros, t'en as pas assez. Non, je veux dire, c'est que tu vois les cases, il y a écrit 5, 10. Ouais. Ah oui, pour En les gros, débloquer, oui. avec les cristaux que tu gagnes, si t'en as Sauf que 10, non, j'en ai pas assez tu du peux coup. débloquer une place. Sauf que non, j'en ai pas Oui, assez et du coup. c'est aussi. Ouais, c'est que c'est ça qui pourra beaucoup t'aider pendant tes gameplays, puisque ça te fera beaucoup de boucliers, beaucoup d'attaques, beaucoup d'armures et tout. Donc c'est ça qu'il faudrait plutôt que tu te focuses aussi dessus. Ah, bien joué. Donc les pièces, les trucs que tu trouves là, les cristaux bleus, c'est hyper compliqué à trouver. Ah ouais, je vois. Donc on essaierait plutôt de faire les quêtes pour au moins deux. Bah, j'allais dire Spino, en plus tu es en train d'y aller. Bah oui, j'étais en train d'y aller, étonnamment. Oh, vas-y, je veux juste faire des quêtes, là, me saoulez pas. Ouais, bon, je sauvegarde parce que voilà. Regarde ce que ça donne. Ok, les quêtes. Ok. Suis jamais vraiment inquiété de la prévention des catastrophes. Va parler. Non, ok, bon. Ouais, faut retourner sur Même. l'écran d'avant. Ah, lui. Lui, par contre, je te l'ai déjà montré dans une image de comique. Tu vas Ah, ok. voir. Très bien, bonne chance. Hop, on va faire cette quête. Hein. Tu vas le reconnaître direct. C'est toi qui as besoin d'aide pour distribuer des tracts? Oui, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Mamoru. Je viens de Nippon pour essayer de prévenir le crime et les catastrophes. Tu viens de loin, dis donc. C'est cool. Merci. Voilà un de mes tracts. C'est plein d'informations utiles. Jette un coup d'œil. Il faudrait que tu distribues 9 de ces tracts aux gens de la ville. Il Heureux, suffit tu dois aller que je leur distribuer tout parle le et que je leur monde. donne un tract, c'est ça? Laisse-moi faire. Donc, il suffit juste d'aller parler à des gens random et de leur donner des tracts? Oui. Ok, bon bah let's go faire tout le tour de la ville et distribuer 9 tracts, hein? Par contre, ce qu'ils disent, c'est assez marrant des fois. Ouais, bon, un peu la Bon, flemme de tout ce lire, qui honnêtement, personne je vais juste trompe. essayer de donner des tracts. Il n'y avait pas. Bon, voilà, j'en ai donné un à lui. Bonsoir, 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 Puppetman. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le stream. Mais c'est mon grand frère, Ah, c'est bordel! lui! J'avais pas capté. C'est lui, donc. Je comprends mieux. Ok, bon, du coup, j'en ai donné un à lui. Du Oh, coup. misère, je me disais, qui est venu? Mais du coup, c'est lui. Tu crois vraiment que je sais pas que t'es juste à côté de ta chambre? La misère me suivra partout. Bah, visiblement, oui. Ce qui m'énerve. Ok, oui, bon. Alors, pourquoi tu veux aller là? Parce que je sais pas, je cherche pas à comprendre. Toi, prendre mon tract là. Voilà. On va donner des tracts aux gens là, parce que j'en ai marre. Hein. Finaise, dans la vraie Non, vie, tu distribues des tracts, tu te fais harceler, et là, bizarrement, ils s'en foutent, hein, ils sont contents. Ils sont en mode, oh, c'est cool d'avoir un tract. Oui! ben... Visiblement, ils trouvent ça c'est cool les mauvais. tracts ici. Je voulais voir ce que tu faisais. Tu parles à qui là? Bah, toi, je pense. Bon, toi, non, c'est pas toi qu'il faut en donner. Mais c'est où qu'il faut aller pour donner des putains de tracts, bordel! Tu as donné à... Tu Voilà. sais, celui qui a fermé l'écluse? De quoi? Bah, il y a peut-être... T'as peut-être oublié la personne. Tu sais, celui qui t'a aidé à fermer l'écluse? Ah oui, faut... oui, j'avoue. Peut-être il faut aussi lui donner.
Bah écoute, on y va. Est-ce qu'il faut aller ici? Et voilà un tract. C'est bien de faire de la prévention ici. Sinon, c'est une ville d'eau, après tout. Il y a un risque d'inondation en cas de forte pluie. Il faut rester à l'écart des canaux. Et là, j'ai tout distribué, je devrais les prévenir. Voilà, c'est bon. Oh, voilà, je les ai tous distribués. Maintenant, on peut aller retourner lui parler. Ça lag. Non, ça lag pas du tout. Allez lui parler, voilà. Tu trouves que ça lag, Oulex ? Merci beaucoup, Red. Tiens, voilà de quoi te dédommager. Ok. Bon, je vais y aller. Ok, à la prochaine. Quand même, c'est sympa de voir quand même des personnages de plusieurs univers dans le même jeu, je trouve. Voilà, on sauvegarde. Bon, ça c'est fait, ça c'est une quête de fête. Du coup, j'ai pas dit le point de sauvegarde, je veux parler. Du coup, nettoie du canal, ok. Tu vas en récluse en prenant une gondole. Non mais, tu vas vraiment me reparler de la gondole que j'ai déjà prise, littéralement il y a quelques temps avant. Bonne chance. Sapristi, mais pourquoi il écrit la même chose que dirait Savarin, mon gros frère, purée. Il passe son temps à dire Sapristi, c'est comment d'ailleurs le délire Mais tu non, me saoules, en gros, ils avaient... Non, mais en gros, c'est qu'ils avaient pas écrit, ils avaient pas fait autant de dialogues, donc c'est pour ça qu'ils disent à peu près les mêmes choses à chaque fois. Tu viens nettoyer les canaux? Tout juste, comment ça se passe? Je vais tout expliquer. D'abord, tu dois accéder aux égouts. C'est là qu'il faut nettoyer. Certains déchets sont même sous l'eau. Bref, tu verras. Ah, contre, je te donnerai plus de détails quand tu seras sur place. Lui, son délire, il est marrant. Ça y est, je suis dans les égouts. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vois-tu une poubelle en proximité? Oui, juste devant moi. Faut prendre les poissons. Tu dois aussi voir des détritus autour de toi, non? Jette-les dans la poubelle. Ouais, je sais faire, jeter des trucs dans les poubelles. Tu peux emporter, la poubelle avec toi si tu veux, essayer de tout nettoyer. Eh, je m'y connais bien en poubelle. Ah bon? Ouais. Je m'y connais très. Toi aussi, tu peux emmener la poubelle. Merde. Ah oui, par contre. Ah oui, mais faut recouper l'eau. Ah, du coup, oui, il faut retourner aller. Oui, donc tu vas refaire la genre, même du coup, chose. Il faut aller tourner là, je sais plus où là. Oui, la valve, tu dois de nouveau la. Tu dois de nouveau. De nouveau revider, pardon, l'eau. On va revivre la même chose en boucle, en gros. Arrêtez de me saouler, les trucs. Voilà, on va. Bande de chip-chip. Ouais, bah c'est des chip-chip, bah sacré chip-chip, hein. Ah là, on a vidé la valve. Ouais, bah... Oh, il en reste encore plein. Pas étonnant que l'eau soit si sale. Ouais, bon. Elle paraît pas très sale, mais bon, bah, on va rien dire, ok. Bah aussi que... Pourquoi les gens foutent autant de déchets Non mais les gens aussi, c'est comme dans la vraie vie, ils sont pas propres, ils jettent tout le temps leurs déchets partout. J'ai envie de dire, c'est comme ça l'humanité. Malheureusement. L'humanité est une vraie ordure. Ah bah c'est une ordure dans tous les points d'ailleurs. C'est une ordure dans la saleté, c'est une ordure parce qu'ils jettent pas assez déchets à la poubelle, c'est une ordure parce qu'ils polluent le monde. Ouais non mais franchement, super les humains quoi, j'adore. Hein. Oh j'adore l'humanité. On va emporter la poubelle avec nous. N'empêche, si dans la vraie vie on faisait ça, n'empêche. De quoi? Si on transportait des poubelles comme ça. Avec un robot d'hack. Ah, genre un robot quoi, genre non mais franchement, imagine dans la vraie vie on transporterait des poubelles et tout. Imagine.
Ça, c'est vrai, par contre, ça serait tellement bien. Mais attends, mais du coup, il faut qu'on a nettoyé ici, on peut plus rien faire là. Attends, si, on peut aller là. Ouais, on comme dans Wally. Ah, j'avoue. Wally, ouais, dans Wally. Mais Boulax, tu sais qu'il y a un trou dans le mur pour passer. Voilà, hop. Je crois que c'était le dernier déchet. Le grand nettoyage est terminé. Beau travail. Reviens et ramène la poubelle. Oh, regarde, je vais te la ramener en deux temps trois mouvements, ta poubelle. Si le jeu lag pas, oui, je peux l'amener. Par contre, c'est vrai que le jeu lag beaucoup quand même. Du coup, je sais pas s'il faut se ramener dehors avec une poubelle, voilà. Oui, grâce à toi, les canaux sont à nouveau propres. Voilà ta récompense. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. Merci encore pour ton aide. À bientôt. Hop, une quête de plus. C'était assez rapide, comme tu vois. Ouais, c'était une quête plutôt rapide, ouais. Hop, on retourne aller chercher une quête. Ah, c'est ça que tu passes le plus de temps à faire dans ce jeu en plus. Oh, on cherche. Punaise, mais. Je voulais parler, je suis rentré dans la zone d'à côté, quoi. Attends, mais là, il n'y a plus de quête à faire ici. Toutes les autres quêtes, c'est soit à faire dans le navire de combat, soit dans Erdel. Bah écoute, on va aller à Erdel, écoute. Et je te jure, à Erdel, t'as un personnage qui avait bien une des quêtes et un personnage qu'il est molle. Destination, donc. On va aller à Erdel. J'espère quand même que tu apprécies le jeu quand même. Ah bah écoute, hein. Franchement, je passe un bon moment. Hein. Hop, on va lui parler. Je passe un bon moment à. Je passe un bon moment à chercher des quêtes. Conteneur à ranger, vas-y, on va faire ça. Oh non, c'est. T'as pris la quête avec le personnage poche. Ah. Ok, il faut aller là-bas. J'ai très bien vu, merci, je suis pas aveugle. Et que le jeu te dit beaucoup là où tu dois aller. C'est sympa quand même, écoute, ça évite de se paumer. Parce que par contre, comme ça, tu te. Je me perds pas, ouais. C'est vous, Alma? Et le voilà. Mais oui, c'est moi. Et tu es là pour travailler très dur, n'est-ce pas? Ah, oh là là. Oui. Oh, le copain, magnifique. Tu verras, c'est très facile. Je te jure, vois-tu ces quatre conteneurs dispersés sur les quatre quais? Enfin, sur les quatre quais. Pff, sur les quais. Purée, je sais pas parler, je sais pas lire. Je rajoute des mots dans les phrases. Terrible. C'est vrai. Ouais, il y a des conteneurs ici et là-bas. Tu dois placer chaque conteneur sur ces quatre plaques à droite. Ah bon, c'est le même style de mission qu'on a déjà eu plus tôt, quoi. C'est vrai. Tu peux. Soit pour cette. Je retiens, il appelle mon chou quand même, hein. Je te jure, c'est. Ce personnage me rend mal à l'aise. Ah oui? Tant que ça. Et où l'autre caisse déjà qui était par terre? Bah vers le tas d'herbe. Ah, oui. Tu n'as pas faux, tu n'as pas tort. La choigner le jeu par cœur aussi. Bah c'est sûr, l'avoir refait plusieurs fois, forcément ça aide, hein. Je l'ai refait 20 fois, donc. Ah oui, attends. Attends,
Attends. Mais dégage, espèce de truc! Ah, ok, c'est le truc pour faire monter et descendre l'ascenseur, pardon. Autant pour moi. Tu vas plutôt mettre la caisse. Oui, oui, non, mais t'inquiète, j'ai compris maintenant. Par contre, c'est marrant puisque t'as un petit pistolet qui peut dégager un énorme truc. Oui. Du coup, il faut aller faire pareil avec l'autre caisse. Ouais, je pense que t'en restes pour les deux. Mais... Ah, mais il faut aller de l'autre côté, non? Je sais plus comment on fait pour celle-ci, par contre. Comment on est censé aller? Avec une caisse! Prends une autre caisse et monte dessus. Ah, c'est bizarre, ouais. Mais... Pas faux. Attends. Utilise-la comme escalier. Voilà. Hop. C'est assez malin, ça. Voilà. Et ensuite, on pose L. Voilà. Toutes les cases ont été posées. Terminé. Bon, allons prévenir ce drôle de type. Même lui, dit drôle de type. Non, mais même lui, il sait que le type est louche un peu. Sur les bords. Il est louche. Et voilà. Ce gars, il est louche. Oh, tu m'as fait attendre. Oh, tu m'as fait attendre, Chenapan. Tiens, voilà ta récompense pour tes efforts. Merci, l'ami. Voyons. Appelle-moi Alman. Toi qui est taquin. Je sais pas lire les dialogues. Ok, hey, bon, bon, on a réalisé la quête. Je te proposerai de faire la première quête de qui est au-dessus de Erdel. Comment ça, la première quête? T'avais une quête tout au-dessus. Ah, genre la quête tout en haut, du coup, je la fais en premier? Ah, bah oui, parce que oui, c'est celle qui rapporte le plus, je crois, en point de. Bah oui, elle te rapporte le plus. C'est celle qui rapporte le plus, donc autant la faire, du coup, ouais. Et c'est un truc assez spécial que tu vas voir, qui est aussi la collection de musique. Collecte de sons. Vas-y, on va faire, écoute. Hein. Attends. Oh mon dieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle Iggy. Oui. Iggy comme le Koopa Link dans Mario. Je te jure, il a un peu un air de Iggy comme il est. Sérieux, il a vraiment un air du comme le Koopa Link dans Mario, genre vraiment. Puisque il est fou de la musique, ce gars. Mais Iggy, c'est pas lui qui aime la musique, Iggy, dans Mario. Je crois que c'est pas lui. C'est Ludwig, je crois. C'est oui, Ludwig, donc, je crois, qui adore la musique. Quand je veux dire qu'il a un air de Iggy, c'est-à-dire qu'il est fou à ce point comme Iggy Koopa. Ouais, ok. Pas besoin de plus de détails, ça suffira. Faut rentrer à la maison. Bon, en gros, je... Voilà. Il faut du descendre du DAC. Ah bah non. Toi, le chasseur, tu as l'air d'aimer l'aventure. Oui, tu dirais je de conserver ces moments forts sur un plat décoratif. Oui, c'est vraiment les trucs de collection. Les plats décoratifs te permettent de revoir des événements passés. Le nombre de plats que tu peux acheter augmente au fil de l'histoire. Tu peux voir les plats décoratifs que tu récupères dans la cabine de l'Asmodeus. Par contre, ça, Voulax, ces trucs-là, c'est beaucoup plus les trucs en 3D, les cinématiques en 3D que tu peux voir. Oh, les cinématiques en 3D, trop bien! Il faut faire quoi, du coup? Ou t'as aussi l'introduction. Ah, et bah, tu vas voir Iggy qui est là-bas. Qui est là-bas? Comment ça, là-bas? Non, tu l'as loupé. Bah attends, on rentre. Il était à côté de toi. Il était... J'ai dit à l'intérieur! Ah, bonjour. C'est toi, Iggy? Je viens pour ton annonce à propos de son, je crois. Ouais, c'est bien moi qui l'ai passé. Mais d'abord, dis-moi, t'as déjà senti les ondes, mon frère? D'accord, les ondes? Ok, laisse tomber, c'est pas grave. En fait, j'ai un souci. J'ai pas assez de sons, tu vois. Il m'en faut plus pour composer des mélodies qui tuent.
Ah ouais, donc en fait, c'est le genre de... La façon... Alors, vu sa façon de parler, c'est le genre de gars qui aime bien faire des instrus un peu rap, etc. Genre un peu dans ce style. Je le vois comme ça. Je suis désolée, mais je le vois comme ça. Désolée. Ah bon? Je sais pas pourquoi, mais bon, la façon dont il parle, genre des trucs un peu qui pètent, etc. Genre... Des trucs un peu qui pètent Ah et oui. tout. Bah, il aime toutes les tous les styles de musique, lui, par Ok, contre. bon, bah il aime tout. Bah, ok, c'est bon, c'est quelqu'un qui aime vraiment la musique, c'est trop cool. Il peut même aimer soit bois vermeil. Moi je dis, il peut aimer du coup, il peut aimer genre de la musique classique comme de la techno comme du. Enfin, de l'électro comme de tout en fait. Il peut tout aimer. C'est fou. J'ai même pas de quoi mettre le petit doigt de ma chaîne en musique. Ça le fait pas. Des sons? Hein. Ouais, alors voilà. Tu vas utiliser ce magnétophone pour récupérer deux sons. Et où est-ce que je suis censé les trouver, ces sons? D'abord, j'ai besoin du son de l'herbazon qui pousse dans le parc. Et je veux aussi le son du gramophone qui se trouve dans la maison au toit bleu. Ces deux endroits se trouvent à l'est d'ici. Je compte sur toi, mon frère. Donc l'est d'ici. C'est-à-dire qu'il faut sortir d'ici déjà. Oui, déjà, c'est une bonne chose de sortir d'ici. Et ensuite, faut aller ici, je pense. J'entends un son. Qu'est-ce que c'est? Ah, bonsoir Benoît. D'ailleurs, je t'avais même pas vu dans le chat, mais bonsoir. Il faut que j'examine cette plante. Je ferais mieux de descendre de mon robot. Benou. Je sais pas qui c'est Benou. C'est quelqu'un qui est... C'est un viewer régulier des streams, il vient souvent. Génial, j'ai trouvé un son. Plus Ah, qu'un. d'accord. Et du coup, le prochain, il est où? Il faut aller encore plus à l'est, je suppose. J'en ai aucune idée. En vrai, c'est que je me rappelle pas du tout où sont les Tiens, sons. j'entends de la musique. On dirait que ça vient de là-bas. Le son du succès! Ça y est, j'ai les deux sons. Je vais retourner voir Iggy. Iggy, bah Iggy quoi. Je suis sûr que beaucoup ont dû le comparer à Iggy Koopa. Ah, je suis désolée, mais... Pardon. Toi, t'es directement comparé à Iggy Koopa Mais en c'est plus. mais normal, genre les seules références que j'ai, c'est des références à Mario, donc bon. Mais c'est le seul personnage où tu entendras un prénom venant de Mario. Bah écoute, du coup c'est cool, mais moi j'aime bien le... Mais moi j'aime bien comparer des trucs random à des personnages de Mario, j'aime bien ça. Tiens, voilà tes sons. T'assures mon frère, laisse-moi Regarde écouter sa ça. tête. Waouh, la vache! Les ondes de ouf! Sa tête, plus. Vraiment, Et le voilà. gars, il est à fond sur la musique. Youhou, ça déchire! Je crois bien que j'ai réussi à composer un vrai chef-d'œuvre! Ah, tu m'as sauvé la vie, mon frère! Voilà ta récompense! De la Merci. musique. Au fait, on t'a déjà dit que tu es vraiment unique? Jamais! Mais c'est vrai que j'ai tendance à me laisser emporter quand j'entends ces... J'ai comparé Iggy... Et j'ai comparé Iggy par... Iggy... Par Oggy dans Oggy les Oublie les cafards. cafards. Oh purée! J'avoue, la comparaison peut se faire. C'est vrai. C'est vrai que la J'entends comparaison ces peut se ondes. faire. C'est plutôt cool comme mec. T'es allé me chercher ces super sons, après tout. Et tu sais quoi? Je crois que t'as un talent caché, mon frère. Mec. J'avoue que ça a l'air sympa de composer sa propre musique. Je jure, Carrément! Alors qu'est-ce que tu dirais Non. d'apprendre à en jouer? Ah Je oui, peux c'est vrai que récupérer des sons à avec partir de ça. l'herbe et des gramophones que tu trouves. Pour composer ou écouter de la musique, accède au menu son dans la cabine de l'Asmodeus. Iggy Et aura là, ils vont peut-être quelque chose t'expliquer pour depuis toi si tu vas le voir après avoir composé plein de musique. Et là, ça va t'expliquer en gros que tu peux vraiment trouver des notes de musique quelque part pour essayer après les acheter dans l'Asmodos pour les écouter. Ok! Bon, tu vois le topo? Plutôt cool, hein? Oui, ça me donne envie d'essayer. Reviens me voir quand tu auras composé quelque chose. Je te donnerai mon avis. Ça marche! Génial! Je sens déjà les ondes
Je sens déjà les ondes démentes que tu vas nous produire. Les ondes ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis impatient d'écouter ta musique, mon frère. J'espère juste que la musique ne va pas me rendre comme lui. Ouais, bon, lui, waouh ! J'ai l'impression que lui... Et bonsoir, Mi4Long. Bonsoir, oh. Bienvenue sur le stream. Bonsoir, Mi4Long. J'ai l'impression que la musique, pour Iggy, c'est un peu... Il est obsédé par la musique. Oh mon dieu, ça veut dire que je peux le comparer avec moi-même. Ah bon? Bah Là tu me fais peur là. Bah obsédé de quelque chose. Mais bon, toi t'es obsédé par Bois Vermeil et Wiggler donc... Oui bon, ça c'est qu'un détail, c'est qu'un détail, ok? Fallait pas le dire. Moi, je suis juste obsédé par les Noctalies, ça va. T'es obsédé par ce à ton robot, j'ai envie de dire en général. Non. Ah bon? Vous voulez que c'est quel? Bon, ok, je rigole, je suis bien obsédé par ce jeu. Bon, je dis non, mais je rigole, ok? Me prends pas trop au sérieux non plus. Mais c'est vrai que, ouais, je suis obsédé par la musique d'une course de Mario Kart, donc bon. De quoi il stream? De quoi qui? Non, la personne avec qui je suis en vocal actuellement, elle est là parce que, bah voilà, écoute, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le jeu. Donc, écoute, je le fais devant elle parce que, bah écoute, au cas où, si j'ai besoin d'aide, on sait jamais, elle est là. On sait jamais. Je suis la guide. Ouais. Bon, pour l'instant, oui, on peut pas faire de quête, du coup, on va faire d'autres quêtes. Merveille du monde, j'ai oublié ce que c'est ça. Cette quête s'adresse spécifiquement à moi. Vous savez pourquoi? Désolé, je n'ai pas la moindre idée. Le client a dû entendre parler de toi. Ok. Ok. Ouais, c'est que je connais plus trop les quêtes. En vrai, c'est ça. C'est que à force que je fasse le jeu, des fois, quand je le fais à 100%, des fois, j'oublie ce que c'est les quêtes. Ouais. Attends, c'est vers où? C'est là-bas, c'est à l'autre bout de la map, quoi. Attends, non, ça me dit quand même quelque chose. Le guide du jeu, MDR, c'est du temps moins relou. Alors, pour le coup, bon, je me fie surtout aux tutos qui sont écrits dans le jeu, mais c'est qu'un détail. Et non, ils sont bizarres, certains. Non, en vrai, j'aide Voulax juste pour un peu l'aider. Un petit peu, des fois, quand je galère un peu, quand je comprends pas. Les noms sont un peu bizarres. Ah, mais c'est lui! J'avais oublié. Hé, je t'attendais, Red le chasseur. Ah oui? Le vent m'a annoncé ta venue. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Hé, non, je plaisante. Je t'ai vu arriver avec mon télescope. Ne reste pas planté là. Tu viens pour l'annonce, n'est-ce pas? Oui. Ça n'a rien de compliqué. Je veux que tu ailles chercher un livre caché sur une île... Près des îles de Davren. Ah oui, carrément! Si c'est si simple, pourquoi vous n'allez pas le chercher vous-même? Hé, je veux que ce soit toi qui t'en occupe, Red. Ah, c'est sympa, dis donc, il nous confie des missions comme ça. D'accord, pas de problème. Par contre, c'est aussi pour débloquer un truc dans l'Asmodos. Aussi. Enfin, ok, si c'est utile à l'aventure, pourquoi pas, hein? Hey, non, c'est pas été pour l'aventure. C'est juste pour te dire à quel stade tu es oh, trop bien. Dans le jeu. Hé, hey, très bien. Et tu es prêt à partir hein? Bah ouais, je suis prêt. Par contre, tu devras... Par contre, t'as pas lu ce que c'est les îles? Les îles d'Avren, donc ça veut dire que tu devras être dans le véhicule qui vole. Yes, ça va être fun, hein. Ah, ça va être fun, hein. Je vais adorer. Ah, ça va être fun, hein. Ah, ça va être fun, j'ai pris la pire quête possible. Yes! On est très loin des sentiers battus. L'île où je dois aller se trouve à l'ouest d'ici, c'est ça? Oui. J'avais oublié ça. Bordel de merde! Pourquoi tu m'as pas prévenu plus tôt? J'avais oublié la quête, donc je m'en veux pas. Oh non, je me déteste du coup, maintenant c'est moi que je dois détester. Oui, tu sais que c'est toi qui as choisi la quête. Mais en fait, littéralement, genre, je lis pas, je prends les premières quêtes qui me viennent. Mignon de pierre, tu veux pas le manquer.
Comment ça, ton casque est tombé, les gens? Tu l'avais démêlé et maintenant tu l'as emmêlé. Non, mais en gros, il s'est emmêlé. Genre, comme ça. Je suis sur la bonne voie, j'espère. Il faut aller où? Ah ouais, par contre, essaye d'utiliser le turbo, là, le foudre. Parce que les îles sont hyper loin. Ouais, mais je suis... Ouais, bah, elles sont hyper loin, mais bon. Faut que tu utilises le truc de foudre. Essaye d'aller sur des îles un peu plus proches, si. Mais tu veux que j'y aille comment? Moi, j'ai mis sur... Quand mes embouts sont des bouchons d'oreilles. Ah, il y en a une ici, en fait, d'île. Attends, je pourrais juste essayer d'accéder à cette île ici. Là, c'est l'île où tu dois aller dessus. Non, mais... T'as trouvé une île plus proche? Bah oui, il faudrait que j'en trouve une, mais... Mais c'est trop dur. J'ai trouvé où tu pourrais aller. Ah! Je suis tombé. T'as pas vu? Il y avait une île à côté de toi. Attends, une île à côté de moi. La tourne à gauche. Attends, à gauche. Mais elle est plus loin, celle-là. Non, là. Tu vois pas? À gauche. Attends, à gauche, y'a quoi? Ah! Je suis tombé parce que j'ai fait n'importe quoi. T'as pas vu la l'île où avant que tu tombes? Non. Je pense qu'on va passer toute la soirée sur cette quête. Bah écoute, parce que je comprends pas ce qu'il faut y faire en fait, je ne sais pas. En gros, tu vois, quand tu respawns, tu vois une île à côté de toi. Attends, comment ça? Quand je respawn, il y a une île à côté de moi. Regarde bien, là, tu vois pas l'île? Ouais, mais elle est plus loin que là où on doit aller. Mais essaye d'y aller, peut-être qu'il y a des îles aux alentours avec. Bien vu. Ok. Ouais, c'est comme moi, quand j'avais fait le truc, j'y étais allé en mode bourrin. Ouais, mais je suis trop loin là, je suis encore plus éloigné de là où je dois aller. Ah. Bah oui, c'est ni... Bah oui, je te l'ai dit. C'est pour ça que j'y suis pas allé, parce que ça nous ramène plus loin. J'ai l'impression que c'est plus loin en fait que là où on est censé aller. Bon, par contre, bon, on retourne là où t'étais. Bah oui. Oh, le jeu lag. Oui, 4 viewers, c'est vrai que c'est pas autant, je suis d'accord avec toi. Bah si, en vrai, si, c'est bien. C'est le nombre de viewers que je fais en moyenne. Ah. On va dire. D'accord. Mais attends, elle est où la flèche? En gros, tu spammes le bouton... Ah, il y a une île en bas! Ah, mais jamais de la vie, je peux l'atteindre. Mais en fait, je suis trop loin des îles, c'est pas possible. Je sais plus comment tu... Tu joues sur quoi? Je joue sur émulateur, enfin, sur émulateur. Perso. Enfin, je joue sur émulateur, du coup. Elle joue sur émulateur, puisque elle n'a pas le jeu en boîte. Et j'ai pas le jeu en physique, et surtout, j'ai pas de quoi enregistrer ma console. Et aussi qu'elle pourra jamais s'acheter le jeu en boîte. Non, je l'achèterai pas, non, parce que bon, je suis pas assez fan du jeu pour ça. Je suis pas glitchy. J'ai l'impression de ressentir ça comme une insulte. Non! Oh purée. Je suis allé dans la mauvaise direction! Tu sais que j'aurais pu dire pareil, genre, je suis pas une hyper fan de Wiglon, donc je suis pas une voulax.
Et pourquoi? Parce que j'aime bien le personnage, mais je suis pas hyper fan, vraiment. C'est genre, bah écoute, ça se comprend. Non mais genre, je suis pas là en train de dire qu'il faut que forcer la planète entière à être fan du perso, hein, si jamais, hein. Imagine si tu me faisais ça. Grâce à Dieu, elle achète 10 fois. Envoie édition collector premium VIP. Non mais franchement, je me souviens que lors d'un stream genre Mario Kart, les gens ils disaient quand même que je serais prête à genre. Si ils faisaient un DLC à 40€ ou c'est juste pour avoir ce perso, je serais prête à l'acheter. Ah oui, vraiment, même si c'est pour 40€, si tu l'achètes. Pour 40 balles, j'achète. T'es. Oui, je prends. C'est mon perso, c'est ma vie en fait. Rien que. Non, je suis désolée, mais bon, le quad c'est une insulte, donc bon, non merci, j'en veux pas. Par contre, vous là, tu penses pas qu'il faudrait que tu passes par un autre endroit pour au lieu de y aller comme un bourrin là-bas? Non, mais en fait, je comprends pas ce qu'il faut faire de toute façon. Je pense que tu dois faire un détour vers les autres trides qui sont à droite, peut-être. Oui, voilà. Regarde. Je sais pas comment j'ai fait, moi, de toute façon. Ça... Même toi, tu sais pas comment tu joues au jeu, en fait. Oui, genre, je sais pas chaque fois comment je fais pour y jouer, je te jure. Du coup, il faut y aller comme un bourrin avec le bouton. Bah oui, mais je suis mort. Mais y a pas d'île plus proche, j'ai l'impression. J'arrive pas, je comprends pas. Toi, tu vas faire le détour avec les autres trucs que tu as, peut-être. Là, tu vois la carte, voyant les trucs bleus, peut-être que tu dois faire les alentours. En gros, tu vois les îles qui sont derrière toi, je pense peut-être que tu dois faire les alentours avec ça. Mais attends, mais je suis en train de m'éloigner du truc, là. C'est pas par mais là. Attends, mais si, c'est bien ça. Mais c'est si, attends, Voulax. Si, regarde, t'as d'autres trilles. Voyons la carte, t'as bien vu? Oui, non, mais. Non, tu dois bien faire le tour. Non, mais là, je suis en train de faire n'importe quoi. Et Voulax, écoute, en gros, tu vois par là où t'étais passé avant, je pense que tu dois faire le tour pour y oui, arriver. Non, mais là-bas. Genre là, comme ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Tu vois, il faut que j'aille là, tu vois. En gros, tu dois passer par de petites îles par petites îles. Tu vois? Parce que j'arrive pas à me poser, putain! Mais putain, mais! Oh. C'est bien! Pour toi, c'était tout le souci. On va passer 30 minutes juste pour une petite quête! Passe la manette! Est-ce que tu sais jouer au jeu au moins? D'ailleurs, j'ai essayé de jouer sauf qu'on. Non, mais pas toi! Par sec. Pas toi! Je parle de Benou! Est-ce que tu sais jouer au jeu, toi? Ah, Benou! Bah oui, il a dit, oh, passe la manette! J'apprendrai! J'apprendrai! Ouais, mais bon, tu sais, dans la vie, apprendre un jeu vidéo, c'est pas facile, hein! Tu sais que moi, j'ai pris un bon moment à l'apprendre, donc toi, je pense pas que tu arriverais en 2 secondes! C'est par là qu'il faut que j'aille ou pas? Oui, tu vas faire le tour! Putain, mais c'est vraiment de la merde, hein! Là, à côté du moulin. Tu vois, il faut passer par le moulin. Après, tu passes là-bas. Tu vois, tu passes l'île là-bas. Ça sera mieux. Qu'est-ce qui sera mieux? Le fait que ce soit Benou qui joue. C'est un peu méchant, du coup, ça veut dire que je sais pas jouer au jeu. T'inquiète, je spammerai comme si je jouerais à Smash et je trouverais comment jouer. Pire idée, vraiment, je te jure, c'est la pire idée quand tu joues sur la tour robot. Je peux pas atterrir. Je peux pas parce que je vois pas à cause de la caméra. Mario Bros classique. Et pour... Mais je suis en train de retourner en arrière là. Mais attends. Je vais en... Non mais je sais pas où je vais.
Oh, attends, j'ai une idée. Par je sais pas où est-ce qu'il est. Non, mais en fait, genre, attends, le truc, il est là-bas. Va en direction de la flèche. Va en direction de la flèche, direct, je pense, là. T'es sûr, hein? Oui, là... Mais attends, mais j'ai fait n'importe quoi, en fait. Non, c'est bon, je sais comment passer, mais en fait, genre, j'ai du mal à me repérer par rapport à la... Bah, en fait, genre, je suis perturbée par rapport au sens de la carte et par rapport à mon sens à moi. Je suis perturbée, j'y arrive pas. Zéro rapport. J'allais dire, il y a zéro rapport dans ce que vous êtes en train de jouer aussi. Ouais, non mais... Genre... Ouais, si j'arrive à réussir la quête ce soir, ça peut être cool. Ça va être l'objectif de ce soir. Dès qu'on a fini cette quête, on arrête. Oui, oui, non, mais je pense qu'à mon avis, vu le temps que j'aurais passé dessus, je pense que, ouais, on s'arrêtera là, quoi qu'il arrive. Hein. Aussi, ne meurs pas en arrivant là-bas, aussi. J'en ai marre. Mais je suis perturbée, la caméra m'aide pas. Va vers, tu sais, va vers l'île où il y a l'arbre, peut-être. Ou non. Je suis perdue, la caméra me perd, le jeu me perd, je comprends rien à ce jeu. T'as pas vu, Lily, il y avait un arbre. C'est quoi ça, l'arbre? Il y avait une île où il y avait un arbre avec. Où? L'arbre! Tu vois pas, là-bas? Ici! D'ici! Merci, c'est bon. Je suis sur l'île avec un arbre. Et on devrait se rapprocher là-bas. Oui, on y est proche. On s'y rapproche, oui! Putain, enfin! J'ai tourné en rond pendant au moins 3 plombes. Si on arrive avant 22h, on est les boss. C'est sûrement le monument de pierre en question. Hé, visez un peu ça! J'ai mis 3 heures à comprendre, il fallait juste aller sur une putain d'île random. Hein. Parce que je tournais en rond, j'étais perdu à cause de la caméra et tout. Oui, c'est bien un monument de pierre. Le monument de... Bonjour, bonsoir Nascens. Bonsoir, bienvenue sur le stream. Alors, le livre bonsoir, est caché par ici. Oui. Ce qui veut dire... Ah par contre, j'avais oublié, il y a un boss. Il y a un boss ici. Oh non, vas-y, ça va me prendre encore toute la soirée cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? On va très bien, on a juste passé 30 minutes à faire une petite quête. Juste pour faire une petite quête où il faut voler parce que je suis perturbée à cause de la caméra et de la map. Je regardais jamais la map aussi. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que tu fais, Red? Fais attention. Pourquoi... Arg, il va falloir que je me batte. Que je me batte. Alors... Par contre, eux, c'est assez facile à combattre. Et par contre, à faire attention, gros. Oh! Ah, ça combat comme l'autre, genre, lui, tu peux prendre les petits et les attraper et lui balancer la tronche. Oui, par contre, lui, pour le battre, faut utiliser les petits. Oui, pour trop bien! Le tuer. C'est le meilleur combat du monde! Oui! Let's go! À mon avis, tu es perturbé mentalement, si tu veux mon avis. Non, je suis pas perturbé mentalement. Comment ça, je suis perturbé mentalement? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pfiou, je ne m'attendais pas à devoir me battre. Tu devrais pouvoir chercher le livre à présent. Il doit être près du monument de pierre. Du coup, il faut faire quoi? Ah oui, il faut aller derrière le monument. Faut aller derrière le monument. Un livre de souvenirs, c'est ça? Quoi ça, je suis un peu folle. Explique-moi, s'il te plaît. Hé, enfin. Ah, le livre s'est mis à briller. Ah. Il est pas normal, ce livre. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Je me demande de quoi ça parle. C'est peut-être un recueil de cartes au trésor. Regarde vite.
Une minute. Je ne peux pas tourner les pages. Ne perds pas ton temps. Tu ne peux pas encore le lire. Reviens, nous devons discuter. Hé. Eh ben, j'ai envie de vous dire, ça va être une fin de stream. C'est bientôt fini, ouais. Genre là, on finit la quête et je pense qu'on va s'arrêter là, ouais. Ouais, ouais. Enfin, allez, il reste quoi? Il reste 10 minutes avant 22h, donc en vrai, on va... Je sais pas. Non, on n'aura pas le temps de faire une autre quête. Si, on a peut-être le temps de faire une autre quête, non? Ah, oh bah, c'est un ouvrage moi, je vais aller dormir. À consigner ton existence. Ouais, en vrai, il vaut mieux qu'on s'arrête là sur cette quête, je pense. Ce sera très bien. Bon, ouais, c'est mieux qu'on s'arrête. Plus ou moins. Bah en vrai, on a bien avancé sur le jeu après, donc bon. Oui, t'as fait, attends, si... Il recensera la plupart de tes actions au cours de ton périple. C'est vrai ? Hé, garde-le. Si tu souhaites te remémorer tes dernières activités, il te suffit de le consulter. Ah, et considère-le comme ta récompense. Merci. Termine les catégories de ce livre pour remplir progressivement chacune des pages. Tu enrichiras considérablement tes connaissances de cette manière. Attends un peu. Qui êtes-vous? Disons, un simple voyageur de passage. Hé hé. Effectue diverses actions à plusieurs reprises pour compléter la bibliothèque petit à petit. La bibliothèque renferme de nombreuses informations utiles sur le monde. Tu peux y accéder à partir de la cabine. Bon bah écoutez... Ben, on va sauvegarder. On va sauvegarder, ça ouais. Répète certaines actions plusieurs fois en suivant les indications données dans la bibliothèque. Les indices donnés, pardon. Hop, on sauvegarde. Et voilà. Du coup. C'est ainsi que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour deux. Je suis occupée, 2 secondes. Oui, mais tu attends.